un chemin en Europe. Il y a un chemin qui est pas fin. La démocratie européenne, c'est pas fin. Et les sociodémocrates, construisant du néolibéralisme, construisant de l'austérité, viendrait à remettre en cause, en Europe, l'idée même de démocratie, en créant les terreaux des extrêmes droites dans toute l'Europe. Ça, c'est une idée que les écologistes ne peuvent pas accepter. Ça, c'est la responsabilité du prix Nobel de la paix de l'Union européenne, de mettre en place en Europe la paix sociale. Et c'est évidemment la responsabilité de la paix à nos frontières. Il y a quelques jours, j'étais à Saint-Nazaire. Vous savez qu'il y a à Saint-Nazaire deux navires qui sont construits par les chantiers STX et qui sont destinés à l'armée russe. Au moment même où Poutine, en Ukraine, est en train de transformer la diversité culturelle, la diversité linguistique, parfois la diversité religieuse en conflit ethnique, au moment où il est en train de faire en Ukraine ce que d'autres ont voulu faire et ont réussi à faire en Yougoslavie il y a 20 ans, il n'est pas imaginable que la France soit organisée dans une coopération militaire avec la Russie quand on sait ce qui se passe en Syrie, quand on sait ce qui se passe en Ukraine. C'est pour ça. Que nous dénonçons la livraison de ces deux navires à la Russie. Et c'est pour ça que la leçon de l'Ukraine aujourd'hui, c'est qu'il faut une politique étrangère européenne. Ces États divisés face à Poutine, c'est l'impuissance. Il nous faut une politique de transition énergétique pour qu'on puisse être indépendant du gaz russe. Mais il nous faut aussi une politique de défense. Ces navires doivent être construits pour servir la politique européenne de défense, pour servir des missions de sécurité maritime, pour servir des missions humanitaires sous mandat des Nations Unies dans le monde entier. La situation en Ukraine, comme la situation sociale au sein de l'Union européenne, appelle plus d'Europe. Et pourtant, dans cette campagne, on semble nous donner qu'une alternative. L'alternative entre le nationalisme. Vous imaginez ce qu'on nous propose en 2014, on nous propose de prendre des visas pour aller en Belgique, pour aller en Italie. On nous propose d'avoir à transformer notre franc français en franc belge ou en lire italienne. Et puis, pire abomination, on nous propose de véhiculer le virus Ebola pour traiter des problèmes de démographie en Afrique. Est-ce que nous pouvons accepter ce nationalisme xénophobe, nauséabond et un nationalisme de la puissance? Les écologistes diront toujours non à ça. L'autre option qu'on nous propose, c'est l'Europe de la confusion. C'est l'Europe des conservateurs de l'UMP. C'est l'Europe des centristes. C'est l'Europe des socialistes qui disent en campagne exactement l'inverse de ce qu'ils font à Bruxelles et de ce qu'ils votent à Strasbourg. Quand aujourd'hui on entend le candidat des sociodémocrates à la présidence de la Commission européenne, Martin Schulz, dire qu'il défend qu'il est le candidat de l'anti-austérité, qu'il est le candidat de l'Europe qui investit, qu'il est le candidat de l'Europe qui protège. C'est le même avec les centristes, avec les conservateurs, qui ont voté pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne un budget européen en baisse de 85 milliards. 85 milliards d'investissements supprimés, 85 milliards d'investissements et de solidarité au moment où en Grèce, le taux de mortalité infantile est en train d'augmenter de 40%. Voilà l'Europe de la confusion que nous rejetons tout autant que le nationalisme d'impuissance. C'est les mêmes
qui au Conseil européen, nos chefs d'État et de gouvernement, et au Parlement européen, ont voté, ont soutenu le lancement des négociations d'un traité transatlantique. Pascal a expliqué à quel point c'était une remise en cause absolue de la perspective d'un projet européen. C'est un déni de démocratie quand les citoyens ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans ce traité. Et je dois dire que ce déni de démocratie, il est d'autant plus fort qu'au moment même où cette négociation était lancée, nous avions la chance d'écouter, de lire Edward Snowden, le premier lanceur d'alerte mondiale de ce siècle, qui nous expliquait à quel point la NSA et donc l'administration américaine espionnaient nos communications, espionnaient et continuent d'espionner nos institutions, espionnaient nos dirigeants. Et au moment où on est espionné, au moment où c'est nos droits à la vie privée, nos libertés publiques, défendues par le droit européen, qui sont remis en cause, il n'était pas envisageable même de commencer une négociation. On imaginait que nos chefs d'État et de gouvernement, défendant le droit européen, défendant notre vie privée, défendant l'honneur de l'Europe, allaient dénoncer cet accord. Et bien ce que le président François Hollande a fait, c'est d'interdire le survol du sol européen à Evo Morales parce qu'il était soupçonné d'aller chercher Edward Snowden en Russie pour essayer de l'accueillir dans un pays un peu plus démocratique que la dictature de Poutine. Les citoyens sont mobilisés sur ce sujet et nous gagnerons. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous gagnerons parce que quand on met la lumière sur un projet aussi néfaste, quand on met de la démocratie sur un projet aussi néfaste, quand on travaille à combattre un projet aussi néfaste, eh bien, la force des citoyens, pour ceux qui, comme moi peut-être et comme d'autres dans cette salle, étaient à Seattle, étaient ailleurs, à Porto Alegre, quand on veut, quand les citoyens sont en marche, ils peuvent gagner même contre des gouvernements coalisés parce que c'est la démocratie dans cette affaire que nous défendons. Et nous allons gagner parce que nous avons fait la preuve que nous savons gagner. Quand il y a eu au Parlement européen le traité anti-contrefaçon, ce traité négocié dans la même opacité, qui remettait en cause les libertés numériques, les semences paysannes, les médicaments génériques. Au départ, seul le groupe écologiste était opposé, mobilisé contre ces traités au Parlement européen. Mais c'est la mobilisation des citoyens dans le monde entier, et particulièrement en Europe, la façon dont ils ont, partout autour d'eux, créé de la pédagogie, informés, mobilisés, et bien cette mobilisation nous a aidés à retourner les parlementaires les uns après les autres, et le Parlement européen a dit non à ACTA comme il dira non à TAFTA. Et malgré la ligne politique libérale de l'Europe, on a eu aussi des succès. On a eu des succès, par exemple, sur un sujet qu'on n'attendait pas forcément, sur la politique commune des pêches. Le fait que le Parlement européen, aujourd'hui, codécide sur la pêche en Europe, a fait que ce ne sont plus simplement la France et l'Espagne, essentiellement, qui ont décidé des stocks de poissons et des métiers de la pêche. Grâce à l'intervention du Parlement européen, pour la première fois, l'effort de pêche sera proportionné à la ressource halieutique. Ça paraît comme ça d'une évidence absolue, mais l'effort de pêche sera proportionné aux ressources halieutiques et nous avons réussi à intégrer dans cette politique commune des pêches un effort supplémentaire, le soutien à la petite pêche artisanale plutôt qu'aux grands engins, exactement dans la même logique parfois que la politique agricole commune. Et ça aussi, c'est le succès des écologistes au Parlement européen. Malheureusement, même sur les questions de pêche, on ne peut pas gagner sur tout. Il y a une candidate socialiste qui aime bien la flotte d'Intermarché à Lorient et qui, malheureusement, a réussi pour quelques voix
à ce que le Parlement européen ne mette pas fin au chalutage en eau profonde. Et ça, c'est triste, et c'est malheureusement la délégation socialiste française qui a fait basculer, alors que l'ensemble des sociodémocrates aussi considéraient que ce type de pêche était insoutenable pour la planète et pour l'avenir de la pêche en Europe. Nous avons gagné aussi, ou nous avançons, sur la question de Notre-Dame-des-Landes, en étant à la commission des pétitions, en soutenant, en relayant le travail des associations de lutte contre Notre-Dame-des-Landes, eh bien aujourd'hui la France est mise en demeure pour non-respect de l'environnement sur ce projet. Monsieur Valls, il est temps d'éteindre la lumière de ce projet, qu'on n'en parle plus et que sur la zone de la ZAD, sur la zone des fermes, on puisse enfin cultiver et vivre tranquillement avec les nouvelles organisations telles qu'elles se dessinent à Notre-Dame-des-Landes et profiter d'un bocage extraordinaire du fait de sa préservation, du fait que ça a été une zone réservée à un aéroport, et bien finalement, vous serez les grands bénéficiaires après des années et des années de lutte, d'un combat qui s'est mené d'abord au niveau local, à tous les échelons, mais aussi au niveau européen. Parfois, tu l'as dit, l'Europe protège. J'y arrive, camarade. Laisse-moi le temps. Donc l'Europe est un espace politique. L'abbé Pierre aussi était un homme politique. De la belle politique. De celle des citoyens qui, sans s'engager dans les partis politiques, racontent en permanence un message à la société qui structure la société et qui engage la société dans la politique, dans ce qu'elle a de plus noble. Donc l'Europe est un espace politique. Elle n'est pas libérale, elle n'est pas austéritaire, elle n'est pas technocratique, par essence. Elle est ce que les majorités politiques en font. Dans cette Europe de droite, qui trouve trop souvent, avec les sociodémocrates, des alliés sur la remise en cause et le délitement du projet européen, il faut faire de la politique, il faut changer les majorités. Ce n'est pas facile dans cette campagne. Vous l'avez vu, on est beaucoup sur l'euroscepticisme. Alors évidemment, si tout allait extrêmement bien en France, si tout était parfait en France, et qu'il n'y avait qu'au niveau européen que ça allait mal, je serais le premier à dire qu'il faut arrêter avec l'Europe. Si on arrivait au niveau français à traiter du dumping social, à faire face à M. Mittal plutôt qu'à lui dérouler le tapis rouge, si on arrivait à traiter du dérèglement climatique, si on arrivait à traiter de l'extinction de la biodiversité, de la pollution de l'air, de l'eau, des sols, il n'y aurait pas besoin d'Europe. Mais vous voyez bien qu'on n'en est pas là. Alors certes, une partie de la population va clairement voter contre l'Europe, clairement considérer que la souveraineté, que ce monde qui est très perturbé, ce monde qui dérange, ce monde qui est en bouleversement, on ne l'accepte pas. Donc on participe d'un imaginaire qui est un imaginaire nationaliste, qui est un imaginaire d'une France d'un âge d'or qui n'avait évidemment jamais existé, mais qui rassure. Et puis il y a ceux qui considèrent quand même qu'il y a un chemin en Europe, qui est un chemin qui n'est pas simple. La démocratie européenne, ce n'est pas simple. C'est un nouvel objet démocratique, c'est un nouvel objet politique, et à 28 pays, je ne vais pas vous dire que c'est simple, ni au Parlement européen, ni, j'imagine, au Conseil des États. Ce n'est pas simple, mais d'une certaine façon, la France a mis 150 ans à accorder le droit de vote des femmes, après la révolution de 1789, où, dans l'imaginaire collectif, nous avions tout fait en matière de démocratie le 14 juillet et dans les mois qui ont suivi. Donc il faut construire la démocratie européenne. Il faut la construire, mais il ne faut pas la construire comme un super État jacobin. Ça, ce serait évidemment une faute, ça n'est pas souhaitable. L'Europe que nous défendons n'est pas l'idée que, à Bruxelles, il y aurait encore plus de pouvoir qu'il y en a aujourd'hui à Paris et qu'on écraserait encore plus la diversité des territoires.
Pour moi, la souveraineté, ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas un tapis rouge, ce n'est pas un président roi. Pour moi, la souveraineté, c'est l'exercice de la démocratie. C'est quand on arrive à délibérer, quand on arrive à construire collectivement et démocratiquement une décision, et quand elle s'applique et qu'elle est efficace. Quand elle s'applique et qu'elle change la réalité des citoyennes et des citoyens. Sinon, c'est du vent. Pour moi, aujourd'hui, une bonne partie du show qu'on nous délivre tous les jours sur le président, l'État-nation, la France, la ligne Maginot, les machins, les trucs, pour moi, tout ça est davantage révélateur aujourd'hui d'une impuissance des États-nations qu'une véritable puissance. Quand je vois le président Hollande déroulé à Versailles, les tapis rouges de la République pour accueillir le président dictateur chinois, pour lui vendre, pour lui arracher un contrat d'une usine d'extraction de plutonium, tout en abandonnant à la Chine, l'Europe, à l'abandonner au dumping social, au dumping environnemental, au dumping fiscal et au dumping monétaire. Je me dis que ça, c'est de la mise en scène du pouvoir, mais c'est de l'impuissance et c'est de l'abandon de l'Europe, de l'économie, du social et de l'environnement. On l'a vu aussi dans cette campagne, la culture politique européenne n'a pas totalement imprégné la culture politique nationale. Quand on considère que les recalés de la vie politique française sont envoyés comme Nadine Morano, Michel Alliot-Marie, je ne sais pas si elle va aller dans la commission emploi, Nadine Morano, mais Karima, bonjour. Elle ne siégera pas. Bon. Michel Alliot-Marie et beaucoup d'autres. Quand, malheureusement, un président de la République, dans la même phrase, dit « Pierre, tu as échoué à Bercy, tu seras commissaire européen. Harlem, tu as échoué à la tête du Parti Socialiste. Tu seras secrétaire d'État aux affaires européennes. » Quand on dit ça, ça exprime une irresponsable désinvolture vis-à-vis de l'Europe. Comment peut-on imaginer que François Hollande seul va mettre à plat la finance internationale, des acteurs comme Mittal, va régler le problème du dérèglement climatique et va enfin solutionner le problème industriel français? Tout ça, c'est de la blague. Et donc, il va falloir, dans l'Europe de demain, dans l'Europe qu'on veut construire, définir ce qu'est la souveraineté. Pour nous, la souveraineté, je l'ai dit, il y a l'échelle européenne. L'échelle européenne, par exemple, en matière de transition énergétique, c'est évidemment, pour nous, une Europe zéro carbone à l'horizon 2050. C'est un beau projet de société. C'est une Europe zéro nucléaire, donc sans EPR. C'est une Europe qui investit sur les énergies renouvelables et qui investit dans les économies d'énergie. Les économies d'énergie, c'est l'ensemble du local au global. C'est à la fois lutter contre le gaspillage, contre l'effet de serre, contre, en partie, les guerres qui arrivent. Regardez ce qui se passe entre le Vietnam et la Chine. Potentiellement, ce sont des tensions, c'est un conflit énergétique qui est en train de se construire là-bas. Et donc, c'est le pouvoir d'achat des Européens, c'est des centaines de milliers d'emplois, d'ouvriers, d'artisans, d'ingénieurs, d'architectes du bâtiment, et puis c'est aussi plus d'indépendance face à la Russie. Et puis, c'est des dizaines de milliers de PME sur tous nos territoires, et quand on voit aujourd'hui à quel point le désespoir démocratique se construit sur la désespérance sociale parce que les territoires sont abandonnés économiquement et donc qu'ils régressent socialement. On a besoin de recréer de l'activité partout sur les territoires. C'est comme ça qu'on va combattre d'abord le Front National. Et donc cette transition énergétique, pour nous, c'est un cadre ambitieux à l'échelle européenne, mais un cadre ambitieux pour travailler à l'échelle des territoires. Dans cette campagne, évidemment, et vous le savez, le 14 juin, seront inaugurées à Bégane quatre éoliennes. Quatre éoliennes issues de la mobilisation de citoyens qui se sont organisés entre eux,
qui d'abord se sont dit qu'ils allaient économiser leur énergie et qu'ils allaient produire ensemble l'énergie dont ils ont besoin et qu'ils allaient la partager. Et bien pour nous, c'est ça le fédéralisme européen. C'est un cadre d'ambition à l'échelle européenne, ce sont des moyens de recherche, d'innovation, de construction de pôles industriels, mais c'est une construction démocratique locale. Et vous vous rendez compte ce que ça signifie, le projet de Began. Le projet de Began, c'est la fin de la rente d'EDF, c'est la fin de la politique énergétique construite dans les ministères entre l'État, EDF, Areva et Total. C'est la fin de la prise en main de notre destin énergétique par des firmes multinationales qui ne payent même pas d'impôts en France. C'est le cas de Total. Cette transition énergétique, c'est la reconquête de nos souverainetés, c'est la reconquête de notre destin énergétique, c'est la reconquête démocratique. Voilà aussi pourquoi l'Europe est nécessaire pour sortir du centralisme et du jacobinisme, du présidentialisme à la française. J'ai parlé de Began. À quelques encablures d'ici, on aurait pu parler de Saint-Perm, où nous avons lancé avec René l'appel de l'Ouest, modestement, qui, comme René l'a indiqué, propose de mettre 50% des fonds de la PAC sur les circuits courts, sur l'installation, sur la conversion et sur le soutien, notamment à la restauration collective, pour faire en sorte que tous ces produits de qualité, toutes ces productions qui respectent l'environnement, qui respectent les femmes et les hommes, qui créent des emplois, trouvent facilement aussi des débouchés, et notamment trouvent des débouchés partout dans la société, pas simplement pour ceux qui ont la culture ou les moyens d'aller à la Biocop, mais aussi dans toute la restauration collective, et y compris évidemment partout sur les territoires, que ce soit au centre-ville de Rennes comme dans les quartiers. C'est pareil. C'est de la reconstruction de la démocratie. Parce que finalement, aujourd'hui, quel est le combat? De la même façon qu'il y a un choc titanesque aujourd'hui dans la question énergétique, il y a un choc titanesque tout aussi fort, tout aussi rude, tout aussi violent sur la question agricole. Parce que l'alternative aujourd'hui, elle est simple, c'est le modèle doux, GAD, ces armes de destruction massive d'identité agricole et alimentaire qui se baladent avec le drapeau breton alors qu'ils font une alimentation standardisée bas de gamme produite pour le monde entier, qui dévaste le monde entier, qui a tué les filières agricoles vivrières en Afrique, qui continue à dévaster l'Amazonie et qui vit des subventions publiques. Là aussi, la souveraineté démocratique, c'est de construire au niveau local, l'agriculture de proximité et une alimentation de qualité, saine, accessible à toutes et tous. C'est comme ça qu'on reconstruira et la démocratie et l'Europe. N'oubliez pas le 25. Eh bien, je vote Europe Écologie Les Verts. Oh, okay. Mmh.